il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte de map Minecraft. Cette fois-ci une map qui a été créée par Tima. Et attention, ça va peut-être rappeler des souvenirs, excusez-moi ma voix part en couille. Des souvenirs, c'est une map qui s'appelle Super Mine Bros 2. Et pour ceux qui se rappellent, j'avais déjà fait Super Mine Bros 1 qui a été créé par Tima également, voilà. Donc là c'est la version numéro 2 et vous inquiétez pas pour mon skin, vous comprendrez en temps et en heure pourquoi j'ai ce skin. Voilà, bon c'est un petit spoil mais vous comprendrez. Alors, règle, être en difficulté 2, en game mode 2, objectif, trouve 24 pièces, il y en a 3 dans chaque monde. Ou 4 blocs bleus. Ok, et la règle la plus importante est de s'amuser. Et donc la map a été créée par Tima, anciennement Tima 2005, donc qui m'avait proposé et qui avait créé Super Mine Bros numéro 1. Voilà, il n'y avait pas de numéro. Et là c'est la version numéro 2. Bonne map, bah du coup on va y aller. Par contre ça m'étonne que je n'ai pas de ressources pack. J'avais un ressource pack à l'époque. Alors je sais pas, peut-être que c'est intégré, je ne sais pas. Et la map dure environ 20-30 minutes. Et donc l'idée c'est attends, je vais vous dire. Attends. Il m'a écrit AM Colo, tu te souviens de ma toute première map Super Mine Bros. Voilà. Eh bien, voici la suite. Maintenant, Bowser est de retour pour attaquer le village champignon. Tu devras le tuer et récupérer Peach. Ah ouais, ouais, ok. Et donc, voilà, après ça, c'est des panneaux. Très bien, donc on va y aller. Donc voilà. Ok, boîte aux lettres. Je ne peux pas. Ah voilà, très bien. Bonjour Mario. Ah, attention, on a des livres maintenant. Bonjour Mario, tu ne te souviens pas de moi? Tu sais, tu m'avais battu l'autre fois, il y a 3 ans, dans le Super Mine Bros 1. Je suis le monstre, le dragon, je suis Bowser, j'ai kidnappé Princess Peach. Va le récupérer avant qu'il ne soit trop tard, bonne chance Mario. Excusez-moi hein, si je fais pas la voix épique et tout, c'est juste qu'à un moment donné, faut pas déconner. Attends, je me gratte, ça dérange personne. Et donc voilà, bah voilà, bah on avait battu Bowser dans la première version de la map, et puis là, bah apparemment, de nouveau là. Donc c'est parti, monde 1, ça c'est cool, toujours... toujours à l'ancienne, donc là c'est parti pour ok, donc très bien, donc moi dès le début je fais n'importe quoi. Ok, on a un coffre avec des trucs cool. Ok, très bien, il y a rien d'autre. Ok, je pensais qu'il y avait un petit chemin. Alors attends, on va mettre la côte de maille. Et comment on fait pour monter? Je n'en ai pas la moindre idée. Ah. C'est quoi ça? C'est une potion de poison. Alors attends, parce que j'ai un ressource pack qui n'a rien à voir avec le truc, je vais remettre Ah, parce que je m'étais trompé, j'ai mis le faceful 1.10, mais on n'est pas en 1.10. Mais et on fait comment là? Déjà là, je suis bloqué, les gars. Ah, attendez, j'ai un arc. Attends, j'ai un arc. Est-ce que tu crois que. Attends. Attends. Oh, presque! Je crois que j'ai compris ce qu'il faut faire. Regarde. Ah non, la poison, c'est peut-être pour ça. Normalement, ça doit m'aider à jump. Non mais c'est quoi ce bordel? Non mais ça marche pas. Oh le con! Mais non mais c'est une blague. Non mais encore, je me suis fait avoir. Vas-y. Et si je suis déjà bloqué au monde 1, les gars, il y a un moment donné, je suis... Enfin, Peach, elle va se faire bouffer par Bowser. Hein, Et là on fait comment quand on n'a plus rien? Hein? On se fait caca dessus? Y a pas un bloc invisible? Attends, mais je suis sûr, faut s'envoyer la flèche dessus. Oh! Attends, attends, ok, j'ai compris. Non. Regarde. Regarde, regarde. Putain. Ok, ça éjecte en arrière, donc faut faire vers là. Merde. Attends, attends. Attends, attends. Oh, mais c'est une blague! Attends, j'ai compris. Attends, 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 j'ai compris. Non, non, mais hey, les gars, il y a un moment donné, je me fais. Oh oui! Oh oui! Allez! Ok, on a la première pièce. Allez! J'ai réussi! Ok, hey, il était temps. Ok, on a du lait, mais ça ne me sert plus à rien du coup, vu que j'ai plus l'effet de poison. A la base, fallait faire avec la poison. Et je pense que l'arc, c'était vraiment au cas où on galère. Et la preuve, ça m'a bien été utile. En revanche, la pièce, je la vois en glowstone. Donc, je pense qu'il devait y avoir un ressource pack. Il a dû oublier de me le mettre. J'ai bien fouillé pourtant. Faut pas aller là déjà, ça c'est sûr. Voilà, très bien. Il y avait peut-être une pièce, mais j'ai pas envie de mourir. Hein. À un moment donné, faut arrêter de déconner. Hein. Ok, trouve le coffre. Et eh ben voilà, très bien, ça c'est fait. Alors attends, on va se mettre bien. Écoute, on a un petit stuff badass dès le début. Moi je suis pas contre, on va se claquer la fire résistance. Et puis on passe tranquillement à la cool. Y a pas de soucis, y a pas de problème. C'est moi qui régale. Ok.
Tu vas éviter de... Ok. Très bien. Alors, partie sauvegardée. Ah. Par contre, je suis en feu. Je vais boire du lait pour voir si c'est... Ça ne change rien. Très bien. What the fuck... Ah, je suis con. Pourquoi j'ai... Eh, hey, je suis un mongol, hein. Parce que tu bois le lait et donc du coup ça enlève la fire résistance, donc c'est un peu con. Ah ouais, comme ça j'aurais pu... Hey, avec la fire résistance j'aurais pu passer tranquille ici. Bon, c'est pas grave. Oh putain. On va faire gaffe à pas se bouiller, c'est pas par là. Ah voilà, d'accord. Très bien. Le petit passage dissimulé. J'ai faim, j'aimerais bien manger, je vais pas te mentir. Ok. Bon, alors qu'est-ce que nous avons? On a un petit jump des familles. Ça sent le gros troll sa race. Ah là par contre je vais pas y arriver, j'aurais dû prendre de l'élan. Ah si, c'est passé. C'est passé crème. Très bien. Ok, on a un coffre. Ah, de la bouffe. Ça c'est... J'en demandais pas tant. J'en demandais pas tant. Le succès ça ne dure qu'un temps, hein. C'est pour ça que je n'ai pas attendu qu'on me dise va-t'en, bien sûr. Voilà. Alors, ah, champignons. Voilà. Je sais pas à quoi ça a servi. Ok, golden... Ouais mais attends. Eh, j'ai que deux pièces. Il y a combien de pièces? Il y en a 24 à trouver. Ok, bonjour. Vous voulez quoi vous? Attends. Ah, je... D'accord, toi t'es juste là décoration. Décorativement, très bien. Ok, alors, on continue. On est toujours dans le monde numéro 1. La map dure entre 20 et 30 minutes, hein, je tiens à le signaler, d'après les analyses de l'auteur. Ok, attends, on va y aller comme ça. Écoute, hein, on va pas y... Oh, troisième pièce. Oh, une hache en bois. Ok, très bien. Eh ben écoute, qu'est-ce que nous avons ici? C'est un peu chiant par contre les blocs invisibles, hein, on va pas se mentir. Waouh, c'est joli. Ok, alors, Apple Pen. Apple Pen, ok. Attends, comment je fais là? Ouais, bah on va y aller comme ça, écoute. Il y a de l'eau. Et je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière. Eh ben non. Apple Pen. Excusez-moi, je vais pas bien. Ok. On continue. Partie sauvegarde. Très bien. Eh ben écoute, j'aime quand ça sauvegarde, mon gars. Alors, monde 3. Ah, ok, c'était le monde 2. Très bien. J'ai pas vu. C'est pas grave. C'est sympathique déjà pour le moment. C'est agréable. C'est pas rageant. C'est tranquille. Une petite map à l'ancienne, j'ai envie de dire. Alors, Night Vision. Trouve les 3 pièces dans ce monde et combat le boss. Hein? Ah, il y a un boss dans ce monde, ok. Alors déjà, t'as cru que j'allais y aller à la nage ou... Je crois que j'ai pas le choix. Hein. Ah ouais, je dois y aller à la nage. Ok, bon bah go. Mais y a rien là. Ah, il y a un coffre là-bas. Il y a un coffre là. Là, il y en a pas. Attends, déjà là, il y a un coffre. Donc on va pas se foutre de ma gueule. Eh, je vais pas me faire avoir. On va prendre ça. J'ai failli renverser mon Red Bull, hein, c'est pas grave. Eh les gars, on boit un petit coup, ça fait du bien. Alors, est-ce que c'est une pièce? Oui, c'est une pièce, monsieur. Et ça, c'est bien. Donc on a la première pièce de ce monde. Il n'y a rien d'autre sous l'eau. Hein. Ah, il y en a un là. Oh là là. Il y en a un là. Oh, et puis il y en a un là-bas. Alors attends, on va commencer par celui-là là-bas. Ok, donc les 3 pièces sont sous l'eau. Hein. Putain. Ah, ça m'énerve. C'est méga long et tout. Et du coup, la potion de Night Vision, elle me sert à rien. Parce que bon, je veux dire, je suis nyctalope naturellement. Donc c'est-à-dire que je vois quand même. Type sans potion. Hein. Allez, on va prendre le coffre, enfin la pièce. Hop là. Et moi j'ai envie de dire, on est reparti pour prendre la dernière qui est également sous l'océan. Et le boss, je pense qu'il doit être dans le bateau. Oh, c'est joli. Ça. C'est ah bah c'est le, je sais plus ce que ça représente dans Mario, mais c'est sympathique. Bon alors attends, on va pas aller sur le bateau parce qu'à tous les coups ça va activer le boss et ça va me saouler. Boss, nope. Allez, la pièce. Et voilà, nous avons les 3 pièces. L'événement est incroyable. Alors, est-ce qu'on peut monter de ce côté du bateau? Évidemment que non. Bien sûr, c'est fait exprès pour nous saouler. Eh, quand je pense qu'il y a 2 minutes, j'ai dit c'est une map qui fait pas rager. Eh. Ok, c'est une map tranquille, mais... Ok, alors, bonjour. Bonjour, bonjour. Direction la machine volante de Bowser Jr. Ah, what the fuck. Ok, très bien. Bah écoute, très bien, écoute. Ah ok, très bien. Ah d'accord. Ok, et maintenant? Et maintenant, que vais-je faire? Ah, il faut aller là. Très bien. Apple pen. Pen apple. Ok. Impeccable.
Your game mode has been updated. Tu te fous de ma gueule? Excuse-moi, je m'énerve. Mais c'est pas par là, c'est de la conversation. Ah non, la conversation. Partie sauvegarde. Ah! C'est bien. Oh, regardez-moi ce monde là-bas. Donc là, on a fait les trois premiers mondes. Et là, donc, on arrive normalement, si tout se passe bien, au monde numéro 4. Ah, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez de la map, hein, évidemment. Monde 4, très bien. Ok, c'est parti. Bon, en termes de décor, c'est pas non plus folichon, mais ça fait bien l'univers Mario un peu quand même. Enfin bon, ça fait un petit moment que j'ai pu regarder. Je pense que si je vais là-dessus, je meurs. Voilà. Mkolo a essayé de nager dans le cassis. Ok. Juste, tu m'expliques pourquoi je respawn ici? Parce que le coup du parti sauvegardé, je veux bien, mais à un moment donné, faut pas se foutre de ma gueule. Hein. Voilà, allez, c'est parti. Maintenant, on se fait plus avoir. Là, cette fois-ci, on court, on saute. Ok. Ici, on prend notre pièce tranquillement. Apple pen. Pen, apple. Ok, ensuite. Oh là là, il faut encore faire tout ce chemin-là. Très bien. Bon, maintenant, je me fie plus au truc parti sauvegardé, ça sert à rien. Alors, on peut aller là. Puisque nous avons une pièce. Le truc violet, je ne sais pas à quoi ça sert, c'est du cassis. Je pense qu'il faut pas se frotter trop. Et je pense que dans la lave, il y a quelque chose. Hein. On va pas se mentir. Je veux dire, cette technique est dépassée, mon gars. Alors attends, on va franchir. Et là, on va regarder s'il y a un coffre ou pas. Il n'y a pas de coffre. Très bien. Pour une fois, je me suis fait avoir. Ok. Ensuite. Ah, encore du... Non ! Mais c'est une blague ! Je l'ai vu au dernier moment. Mon gars, mais... Pourquoi tes spawn points, c'est n'importe quoi. Oh, ça m'énerve. Et je vais me permettre de faire du cheat et faire des spawn points parce que là, c'est... En tout cas, pour la commande spawn point, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est une petite astuce de grand-mère, comme on dit. Ok, allez, cette fois-ci, on se met bien. Ouah, j'ai encore failli tomber dedans, ça a eu la pièce. Alors, j'en ai 10, il en faut combien de nouveau? 24, très bien. 24 pièces. Ok, à mon avis, on a dû en rater, mais... Ouais, à un moment donné... Arrêtez de se foutre. Le mec il s'énerve. Okay. Hey, ton cassis me casse les couilles. Attends, là y a un truc dedans. Non, y'a rien. Oh. Alors, ça c'est une lubie. C'est sympathique, mais c'est une lubie de Super Mine Bros. De Tima. Voilà, à chaque fois il met ça. Même dans la première version, alors c'est pas mal. C'est sympathique, ça fait une petite signature de type sympathique. Ou alors c'est juste pour dire que c'est un boss de fin de monde. Parce que dans Mario c'est vrai que à chaque fin de monde il y a un boss. Bon c'est pas non plus un boss de ouf, hein, la preuve. Ok, donc là monde 5 normalement, si je dis pas de bêtises. Ah là on arrive dans un biome neige de type joli. Partie sauvegardée, ouais, va te faire foutre. Allez, on peut pas. Ah si on peut. Ah très bien. Ah ça y est. C'est quoi ce bruit? Je ne sais pas. Ce que je sais c'est que ce minecart ne sert à rien, voilà. Allez, très bien, bah, c'était super cool. Alors, monde numéro 5. Alors... Ok, déjà, hop là, apple pen, pen, apple. Ok, on a ça, c'est bien. Eh bien, attends, pourquoi il me donne un plastron en fer alors qu'avant il m'a donné un plastron en diamant? Le gars qui n'a aucune logique. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Je pense pas, surtout que j'ai pas envie de tenter le diable. Voilà. Alors... Ok, très utile. Ici, on va faire un petit spawn point, hein, parce que j'ai pas envie, hein. Tu vois ce que je veux dire? À part ça, c'est bien la map, elle est sympa. Moi, j'aime bien quand même Super Mario Bros. C'est convivial. Ok, on a... Très bien. Ça c'est bien, voilà. Ça, c'est... C'est cool. Ici, on a rien, on continue. Écoutez, les gars. Oh, on a des blocs de diamants. Attends, déjà, là, il y a une pièce. Donc, oh! Lourd. Énorme. Ah, on peut pas casser. C'est une pioche, mais pour te troller. Voilà, c'est la pioche trolleuse. Très bien. Hop là. Hop. Ok. Ouais, c'est la pioche trolleuse. Ok, de toute façon, on peut... Eh, en game mode 2, de toute façon, eh, on peut pas trop piocher. Hein. Ok. It's a me. Mario. Ok, ici, on a rien, pour une fois. Belle cascade, belle chute d'eau, hein. Bien sûr. Ici, on a rien non plus. Alors. Ok, eh... Pour le moment, easy. Easy money. Ok. Ok. On remonte. Eh, Moré, c'est quoi ce truc? Ah, le zombie, attention. Us. Voilà, ça dégage. Et donc là, on arrive déjà au monde 6, normalement. Là, on va se faire TP à tout. Bloc. Ah, il en faut combien? Il en faut 4.
Ok, il en faut 4. Donc on a le premier. C'est sûr, on n'en a pas loupé. Alors, monde numéro 6. Il y a combien de mondes par contre? Il y a 8 mondes. Donc on est bientôt à la fin déjà. On est bientôt à la fin. Pour une map qui doit durer entre 20 et 30 minutes, peut-être qu'on va la torcher un peu plus rapidement. Ok. Ok. Alors attends, je suis sûr, j'ai loupé quelque chose, mon gars. Genre un coffre là. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est plus de la décoration. Alors. Ok. Alors là, il s'est fait un plaisir avec l'eau, la lave. On va quand même checker s'il n'y a pas un coffre des fois. Là, il n'y a pas de coffre. Là, par contre, il y a une pièce et une houe. Ici, là, je sens le coffre à plein nez. Pas du tout. Et là non plus. Très bien. Ok. Ok. Ah, deuxième bloc. Et là, ça commence à devenir trop facile. Voilà. C'est pas grave. Oh, on a un petit poulet. Un petit poulet qu'on ne pourra pas taper puisqu'il est derrière le bloc invisible. Espèce de 1. Voilà. Alors, attends. Là, on a rien. Oh, oh, comme j'ai eu peur. J'étais pas prêt. Attends, j'ai pas une... Non, j'ai des potions nulles. Ok, alors, attends. Des flèches, c'est bien. Des flèches, c'est bien. Mais les gars, mais c'est une blague. Le levier, mon gars. Je suis mort, je ne sais pas pourquoi. Donc, faut pas appuyer sur ce levier. Eh ben, on va appuyer sur celui-là, voilà. Non, mais c'est une blague. Non, mais il y a un moment donné, est-ce qu'il s'est demandé si la map était réalisable? Alors, faut juste pas appuyer sur ce bouton, hein, ça, c'est clairement... Attends, mais il faut aller derrière. On peut pas, regardez. Là, c'est un lac de lave. On peut tenter, il y a de l'eau derrière, mais je pense qu'il faut plus descendre. Ah bah non, on peut pas passer. Bon bah go, hein. Ah bah voilà. Ok. Bon bah c'est bon. Ok, allez, j'ai eu peur, j'ai cru que j'ai encore fait une bêtise là. Attends, on va faire un spawn point ici, mon gars. Et on va en faire plus régulièrement parce que j'ai pas envie de... Ça me saoule là, à chaque fois de changer de game mode. Ça fait perdre du temps. Ok, on a une petite maisonnette avec... Oh, potion strange et knockback sur de la blaze rod. Ok, why not? Why not, why not? Je ne suis pas contre. C'est quoi ce levier? Oh. Eh, mon gars, je te promets, je le passe comme ça. Ah bah non, on peut pas le passer de toute façon. Allez, let's go. Ok. Oh putain, eh, on part sur un labyrinthe. Toujours prendre les chemins de gauche. C'est ce que j'ai toujours dit. Voilà pourquoi j'ai fait un spawn point juste avant. C'est parce que je suis mort, voilà. Bien sûr. Voilà, pour une fois, j'ai bien géré le spawn point. J'aurais pu le faire un petit peu avant quand même. Enfin, après plutôt. Ok, alors attends, on descend. Toujours prendre les chemins de gauche. Même si ça paraît... Alors là, il y a une plaque de pression. Voilà. C'est un gamin. C'est un gamin. Ça, c'est chiant parce que tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Oh, c'est chiant ça. Toujours prendre les chemins de gauche. Donc là. Ah bah. Et bah voilà. Là on a ouvert une issue. Là on a... Ah bah voilà. Parfait. C'est bon, on a trouvé la sortie. Magnifique. La petite pièce qui fait plaisir. Là à mon avis... Ah non bah on peut pas aller. Ok. Ok, hé les gars, cette map va me faire péter un câble. Ah je vous le dis, je vais beaucoup rager. Enfin, on est bientôt à la fin, mais je vais quand même bientôt rager. Alors, attends. Là, on va pas se foutre de ma gueule. Là, le zombie, il va me faire chier. Ok, allez. Partie sauvegardée. T'as raison. Spawn point. Attends, c'est écrit quoi? Monde 7. Ok, donc avant-dernier monde. Je pense qu'il faut aller tout droit. Je pense que ça va être compliqué. Ouais. En effet, c'est très compliqué. What? Your home bed was missing. Oops. Mais tu te fous de ma gueule? Non mais c'est quoi ce bordel? Alors attends, comment on fait là? À mon avis, il y a des blocs invisibles. Non? Pas de bloc. Attends, merde, je me suis mis en game mode. Voilà. Alors attends. Ah, ça y en a réussi. Ok, on a la pièce. Ici, encore une autre pièce. Très bien, ça fait 2. Attends, on a 18 pièces, il en faut 24. Ça se trouve, on a pas tout raté. Ouh, 19. Alors, attends. Oh, oh, il m'a surpris celui-là. J'avoue, il m'a surpris. Ok. Continuons. Je pense que le boss va pas être compliqué, mais il nous a quand même donné des potions de strength. Je pense que c'est pour ça. Mais ouais, des potions de force. Mais... Eh non.
Non mais là, on a tout ce chemin à faire, c'est une blague. Ok, dernier monde. Waouh. Monde numéro 8, c'est beau. C'est beau cette animation, messieurs. Ça sent la fin, ça sent le château. Partie sauvegarder, t'as raison, je te crois. Alors, château de Bowser, alors attention. Attention les amis. Mesdames et messieurs, nous y voici. D'accord. Heureusement que j'ai mis un spawn point. Ok. Eh bien écoutez, très bien. Hein, il y a un moment de... Ah, ça m'énerve, mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est une blague! Mais les plaques de pression de gamin, quoi. Ok, c'est bon, on y est. On y est. On y est. Troisième bloc. Une nouvelle pièce. Ok. Ah, attends. Bonjour, Toad. Toad, pardon. What? Non! Mais c'est quoi de cette arnaque? Attends, attends, attends. Eh, vous avez vu la belle enfume? On a raté un bloc et deux pièces. Et sans ça, on peut pas avoir le levier. Or, on a besoin du levier pour ouvrir la porte. Les deux portes. Eh, c'est vraiment une belle map d'enfoiré. Hein. Enfoiré. Et là comment on fait? Bah on va le tuer, hein. Non mais c'est n'importe. Je suis désolé, là ça fait partie d'une critique de la map. C'est n'importe quoi, tu peux même pas faire demi-tour en plus, c'est ça ce qui est bien. Non non, mon gars, t'as cru que c'était Noël? Je m'en fous moi de tes pièces. Non mais ça va quoi. Non mais c'est quoi ce troll encore là? Y'a combien de pièces? De portes. Non mais c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il s'en rend compte? Attends, est-ce qu'il se rend compte qu'il y a un problème par contre? Eh les gars, on n'a pas 36 000... Alors attends, je vous explique. Il y avait je sais pas combien de portes. Frère, tu peux acheter que deux leviers si tu as tout. Et ensuite, il faut poser et reprendre. Mais mec, tu peux pas poser de levier en game mode 2. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a cette plaque de pression, c'est pour être en game mode 2. Ok, j'ai rien dit. Ah bah du coup, en fait, avec la pioche, on pouvait casser. Donc en fait ça servait à rien que je cheat en fait. Parce qu'on pouvait casser avec la pioche Ok bah c'est bon, j'ai rien dit du coup. Ok bah c'est bon, y a pas de problème. Je me suis énervé pour rien. Ok ah oui mais du coup les... Bah c'est quoi? Ah ouais, il m'a remis en game. Eh mais non mais mec. Là par contre je m'énerve. Là c'est chiant. Ok salut. Alors Mario, tu es enfin là. Tu es enfin venu là pour subir ma colère. Ah! Rendez-vous pour le. Toad. Et là, je suppose que c'est Peach. Ah bah ouais. Et bah, les gars, c'est n'importe quoi. Là, je rigole. Non, mais franchement, déception totale. Bon bah voilà. Bah, on a terminé la map, les gars. On a retrouvé Peach. Déception. Eh, je vais pas vous mentir. Déception. Déception. Et je suis là. Eh, je suis là pour tester vos maps. Quand vous. Vous remplissez le formulaire pour proposer vos maps, vous acceptez les critiques et constructives, hein, donc positives, négatives, etc. Je suis pas là pour dire que la map est nulle ou je sais pas quoi. Mais je suis déçu, un truc de ouf. La première version de Super Mario Bros, donc c'était pas mal, parce que bon bah voilà. C'était pas mal dans le sens que c'est une map voilà, sympathique comme ça. Détente. Enfin tu vois ce que je veux dire, genre c'est pas une map de ouf. Mais voilà. Et donc au niveau du scénario, bah voilà, le scénario c'est le même, faut sauver Peach et tuer boss. Et là mon gars, c'était quoi là ton boss? Ton boss à la fin c'était un zombie qu'on pouvait faire respawn je sais pas combien de fois. Et en plus la fin était complètement bizarre. Genre boum voilà, bah t'as Peach. Allez salut. Et ensuite il y a eu les bugs là, les bugs de spawn point qui m'ont saoulé mon gars. Mais sinon à part ça, bah après au niveau du décor c'est pas folichon non plus. Par contre ça fait bien le fait qu'il y ait plusieurs mondes, voilà là. Le monde champignon, là le monde je sais pas ce que ça représente, là-bas le monde bah, du boss final, tu vois, tu peux t'attendre à un truc épique. Donc c'est bien représenté en miniature, regarde, c'est tout petit, donc ça c'est quand même, enfin, en gros ça fait un peu cliché, parodie, donc ça c'est sympa, mais ouais, déception quand même pour les bugs, les petits problèmes et tout, enfin franchement ça c'est, faut faire gaffe, franchement ça joue des points, faut faire gaffe là-dessus. Donc voilà, bah à part ça, c'était sympathique quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci Tima d'avoir créé cette map, Super Mario Bros 2. Pourquoi pas un Super Mario Bros 3.
en espérant qu'il soit plus travaillé, avec beaucoup moins de bugs, et voilà quoi. En tout cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, dire ce que vous avez pensé de la map en commentaire, comme d'habitude, et puis pour proposer vos maps, eh bien c'est sur mon site mcolo.fr, dans l'onglet vos maps, tout simplement. Et voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo, c'était Mcolo, ciao tout le monde. Tous les mercredis, tous les vendredis, attention.